de vous avoir ce matin au milieu de nous. Êtes-vous prêt à louer le Seigneur? Centre-Réveil Québec, êtes-vous prêt à louer le Seigneur ce matin? Centre-Réveil Lac-Saint-Jean, êtes-vous prêt à louer le Seigneur? Centre-Réveil Ottawa, êtes-vous prêt à louer le Seigneur? On loue le Seigneur ce matin. Amen. Oh, son de ma convaincu, je vais donner un autre son de joie. Si vous aimez le Seigneur, vous êtes en amour avec le Seigneur, un son de joie avec toi. J'ai dit 1, 2, 3. Louez! Louez l'Éternel, la vie des rois. Louez l'Éternel, la vie des grands. Oh, louez l'Éternel. Il est bon, louez l'Éternel, car il est bon. Louez l'Éternel, car il est grand. Oh, je m'écris, loué soit l'Éternel, et je suis délivré de tous mes ennemis. Je m'écris. Loué soit l'Éternel, et je suis délivré de tous mes ennemis. Oh loué l'Éternel, car il est bon. Est-ce que nous nous aimons ce matin? Yeah. Loué l'Éternel, car il est bon. Come on, Québec, come on, Lac-Saint-Jean, on chante tous ensemble. Loué l'Éternel. Louez l'Éternel, car il est grand. Oh, je m'écris, loué soit l'Éternel, et je suis délivré de tous mes ennemis. Yeah. Je m'écris, loué soit l'Éternel, et je suis délivré de tous mes ennemis. Oh, que tout ce qui respire. Que tout ce qui respire loue l'Éternel, peuple de Sion. On déclare la victoire. Que tout ce qui peuple de Sion, peuple de Sion, déclare la victoire. Oh, est-ce qu'on est prêt? Comment on y doit? Oh, papa, la papa, la 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 la, papa, la papa, la 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 la, papa, la papa, la la la, papa, la papa, la la la. You fight for us, you never leave us. Even through the shadows, you reach for us. I can't believe you see us, which is us, but you still love us. You have fun in Jesus, but not just that, you know his name. He reaches down to earth just to bring all his people and every disciple, teaching every single soul back to him. But not even just that, he's Messiah. Our freedom, the Lord and provider. Omnipotent, omnipresent, he is true. He fought for me and he will fight for you. God is true. He will make a way. Yeah, God is true. He will make a way. Yeah, he will make a way. Say it. He will make a way. Come on. He will make a way. Yeah, he will make a way. Say it. He will make a way. Yeah, he will make a way. Say it. He will make a way. Yeah, he will make a way. Yeah, he will make a way. Yeah, he will make a way. Déclarez-le ce matin. He will make a way. Come on. Yeah, he will make a way. Come on. Yeah, he will make a way. Say it. He will make a way. Attends une seconde. Il y a des gens ici qui prient pour des choses. Amen. Mais où c'est qu'on sert un Dieu qui est puissant? Amen.
And our God will make a way, amen. Notre Dieu va faire un chemin où il n'y a pas de chemin, amen. Donc on le déclare ce matin. Come on. He will make a way. Come on. He will make a way. Yeah, he will make a way. Say it. He will make a way. Yeah, he will make a way. Say it. He will make a way. Yeah, he will make a way. Say it. He will make a way. You gotta believe. You gotta believe. Bon ce matin. Est-ce que tout est bon ce matin? On va prendre une petite nouvelle chanson ce matin. Notre Dieu règne, amen. Est-ce que notre Dieu règne ce matin? Mais si notre Dieu règne, je veux voir tout le monde en bas les mains. Comment ceux qui le connaissent ensemble? Toujours. Alléluia. Alléluia.
chose. Fermé, inébranlable. Non, rien n'est impossible quand mon Dieu règne pour toujours ensemble. Dieu domine sur toute chose. Fermé, inébranlable. Non, rien n'est impossible quand mon Dieu règne. Dieu domine. Dieu domine sur toute chose. Fermé, inébranlable. Mon Dieu. Oh Dieu domine sur toutes choses. Dieu domine sur fidélité, fidélité. Non rien n'est impossible. Dieu domine. Les cieux proclament ta gloire.
Québec, la Saint-Jean, chantons ensemble, Seigneur mon Dieu. Seigneur mon Dieu, que ton nom est magnifique. Seigneur mon Dieu, Seigneur mon Dieu, que ton nom
Tu es grand Seigneur. Nous t'aimons, ô roi. Tu es le Père qui ne nous abandonne jamais. On veut juste te louer ce matin. Sera notre hymne d'amour, Jésus.
Alléluia. Alléluia, Jésus. Merci pour ta présence. Amen. Vous savez, dans la présence de Jésus, Jésus guérit ce matin. Amen. Jésus guérit quelqu'un ici dans son dos, dans son côté droit ici. Amen. Vous allez voir, vous allez complètement, la douleur disparaît au complet. Au complet. Amen. Amen. Voulez-vous, on va leur chanter Jésus, je t'aime une dernière fois, ensemble. Jésus, je t'aime. Jésus, je t'aime. Nous t'adorons de notre cœur. Chantons-le ce matin. On a une conférence jeunesse justement pour nos jeunes du 15 au 17 juillet avec Luc Dumont. Ça va être pacté, pacté ici. Alors venez à cette conférence. On écoute ensemble? On écoute cette vidéo. Comme Gédéon, mets ta foi en Dieu et il te donnera victoire sur tes ennemis. Celui qui dit je peux et celui qui dit je ne peux pas ont souvent tous les deux raison. Personne n'a dit que la vie sera toujours facile. Parce que les limites comme la peur ne sont que des illusions. Parce qu'il va falloir que tu choisisses entre la liberté et la sécurité. La monotonie, c'est l'esclavage de la norme. Si vous n'êtes pas en train de changer la vie de quelqu'un, vous perdez votre temps. Tu penses que tu es normal, mais tu oublies qu'il y a quelque chose qui dort en toi. Tu crois que la voiture est dangereuse? Reste dans ta zone de confort. C'est mortel! Parce que la douleur est temporaire. Elle peut durer des mois, des années, mais elle finira par laisser place à ta victoire. Parce que chaque jour, un nouveau sommet. Au plus profond de toi-même, demande-toi, qui veux-tu devenir et quel pas dois-tu prendre pour la carrière? Vous ne serez jamais défini par vos débuts, mais par votre fin. Ose, car le royaume de Dieu est au milieu de nous. Pas dans un seul homme, ni dans un groupe d'hommes, mais dans tous les hommes, en vous. On t'attend du 15 au 17 juillet. Amen. On a dit bonne fête des pères à tout le monde ici, mais il y a un père qu'on ne peut jamais oublier. Un père qui est toujours avec nous. C'est notre Père Céleste. Et ce matin, on ne peut pas faire rien sans la présence et la gloire du Père dans notre maison. Amen. C'est ça que ça s'appelle, que ta gloire remplisse ce lieu. Juste louer le Seigneur avec moi, je chante. Let your glory fill this house. Let your praises fill my mouth. Let his vessel offer up to you a sacrifice of praise. Let your glory fill this house. Let your praises fill my mouth. Let each
vessel offer up to you the sacrifice of praise. For you alone are worthy. You alone are worthy. You deserve the glory. Your glory fill this house. Let your praises fill my mouth. Let your praises fill my mouth. Let each vessel offer up to you a sacrifice of praise. You alone are holy. You alone are worthy. You alone are worthy. Jesus, you deserve the glory. Jesus, you alone. Seigneur, tu es digne ce matin de recevoir toute la louange et la gloire. Je veux vous parler de Père Abraham aussi, qui est notre Père de la foi. Vous savez que c'est important de comprendre que sans la foi, il ne se produit pas de miracle. Sans la foi, il ne se passe absolument rien. Sans la foi, vous ne serez pas sauvés ici non plus. Amen. Hallelujah. Amen. Et ce matin, pour commencer, il y a quelqu'un qui a pris ma Bible en haut, dans mon bureau, et je ne la retrouve plus. Amen. On l'a. Jean, où l'avais-tu caché? Elle était là, hein? Merci. Elle était tombée entre les deux. Amen. Vous savez, c'est important. On pense souvent, mais c'est important, notre Père du ciel, c'est important de lui rendre gloire aussi. On a un Papa céleste qui est merveilleux. On a un Père qui est merveilleux. Et il nous aime. Et le verset que je veux prendre, juste pour parler de notre Père, après ça, je vais vous parler du Père Abraham. Mais notre Père, on a la prière, notre Père qui est aux cieux. Tout le monde connaît cette prière. Amen. Mais 2 Corinthiens 1, versets 3 et 4 nous dit, « Rendons gloire à Dieu ce matin. » Amen. Le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, il est le Père plein de bonté. Dites « plein de bonté ». Et le Dieu qui nous encourage toujours, ça c'est dans la PDV, la traduction. Il nous donne du courage dans toutes nos souffrances. Ainsi, il nous rend capable d'encourager tous ceux qui souffrent. Et nous leur donnons le courage que nous-mêmes nous recevons de Dieu. Savez-vous pourquoi je suis capable d'encourager les autres aujourd'hui comme père? C'est parce qu'un jour, j'ai été encouragé moi-même. Et comme j'ai été encouragé de Dieu, tous les parents, écoutez-moi, surtout les pères, ne vous découragez pas avec vos enfants. Amen. J'ai deux fils merveilleux aujourd'hui, mais ils n'ont pas toujours été merveilleux. Mais ces deux fils formidables, j'ai pasteur Mathieu, qui est père aujourd'hui, amen, qui est un pasteur, vous allez avoir le meilleur des pasteurs de tout le monde entier, il est ici devant moi, amen, avec son épouse, bonne fête des pères mon fils, je suis fier de toi,
Et j'ai mon fils François qui est à Dallas aussi, que vous ne connaissez pas, parce que c'est rare. Même c'est rare que je le vois. Ça fait un an et demi que je ne l'ai pas vu. Je vais le voir en septembre. Il me souhaitait bonne fête des pères ce matin. Puis il m'a envoyé un petit vidéo. Il dit, il y a de la place dans la piscine pour toi. Puis je voyais sa petite fille qui faisait une flip dans la piscine. Et amen. Vous savez, les papas, j'aimerais vous encourager. Et les futurs papas aussi. Vous ne serez jamais un bon père si vous n'acceptez pas le Père, notre Père, qui est dans les cieux. Amen. Vous ne serez jamais bon si vous ne l'acceptez pas à 100% dans votre vie. Moi, je remercie Dieu du Père que je suis. Amen, amen. J'ai deux beaux enfants, cinq petits-enfants. Et j'ai beaucoup d'enfants ici, amen, en étant père de la foi. Et je remercie Dieu pour chacun de vous. Je remercie le Seigneur pour chacun de vous. Amen. On a des pères ici qui ont vécu toutes sortes de choses. On va écouter deux, trois témoignages. J'aimerais-vous ça ce matin des pères. Qui je vais demander ce matin? Amen. On va demander à Dr. Célestin. Ah, il est là en avant. Mon Dieu, je te cherchais. Habituellement, ça, c'est sa place. On l'accueille ensemble. Hallelujah, hallelujah. Je bénis le Seigneur d'être avec vous ce matin. Et j'ai 6 petits points qu'on m'a demandé de donner en 6 minutes. À tous les pères qui m'écoutent aujourd'hui, à la fin de ce message, j'aimerais que vous puissiez retenir juste un mot. Vous n'allez pas brûler dans le feu où vous vous trouvez. Alors, mon témoignage, je l'ai tiré de Moïse et de l'expérience de la vie de Moïse et de tous les détours que Dieu lui a fait faire. Alors, je vais rapidement lire Exode chapitre 3, verset 3. La parole dit, Moïse dit, « Je veux me détourner pour voir quelle est cette grande vision. » Dans certaines versions, on dit, « Quel est ce grand spectacle ?»« Et pourquoi le buisson ne se consume pas ?» Mon nom est Célestin, pour ceux qui ne me connaissent pas. Mon père biologique et de la République démocratique du Congo, ma mère aussi. Et les leçons, les 6 points que je vais vous donner, je les tire aussi des détours que Dieu a fait faire à Moïse. Ça s'applique à moi et ça peut s'appliquer à n'importe qui d'entre nous. Le premier point, c'est que il y a 18 ans maintenant, quand je retourne, avant que je quitte la République démocratique du Congo où je vivais, deux choses qui nous sont arrivées et qui m'ont forcé à me tourner vers Dieu. Le premier, c'est que j'ai reçu par surprise la visite de deux personnes qui se sont improvisées chez moi pour me parler de la Bible, de choses. Je n'ai pas pris au sérieux ce qu'ils me disaient. Et ils m'ont dit exactement plusieurs choses qui me sont arrivées jusqu'au moment où je suis. Je vous en parle aujourd'hui, parce que quand ils me l'ont dit, je ne le croyais pas, parce que je ne croyais pas aux gens qui se promenaient avec la Bible pour réveiller les gens dans leur maison et leur raconter toutes sortes de choses. Alors il m'a dit, tu vas avoir des problèmes, et voici, Dieu va te protéger. Et il m'a donné plusieurs choses, ma femme connaît ces choses-là. Je ne l'ai pas pris au sérieux. Quelques mois après, il y a eu la guerre dans mon pays. Et les problèmes ont effectivement commencé. Avant que je quitte chez moi, ma réalité était que deux jours, je travaillais à l'hôpital. Le soir, je devais changer chaque soir de maison pour dormir. Parce que j'étais tellement en insécurité, ma femme connaît. Et c'était devenu insupportable et que je devais quitter. Donc, j'ai quitté chez moi en décembre 98 avec ma femme, $250 en poche. J'ai quitté chez nous, le voyage que je fais de chez nous à l'aéroport dans une ambulance. Et voilà comment j'ai quitté. Sans savoir où j'allais, ni comment ça allait se passer.
Mais je vis la fidélité de Dieu. Puisque je me retrouvais deux pays plus loin, donc je me suis retrouvé au Kenya, à l'hôtel avec ma femme. L'argent passe vite et c'est fini. Tu es dans un pays étranger, tu ne sais pas où tu t'en vas. C'est là que Dieu a commencé encore à me parler de choses spécifiques. Ma femme se rappellera, je ne croyais pas aux prédicateurs qui prêchaient par la radio, à la télévision. Il y a un pasteur au Kenya qui, par surprise, je ne sais pas, là, il a parlé de ma vie. On sait que c'est vrai puisqu'il ne me connaissait pas. Il ne m'avait jamais vu. Ça fait deux jours que j'étais dans une ville de 3 millions d'habitants. Il n'avait aucune manière. Je n'ai pas été à son église. Il prêchait à la radio. Alors, cet homme-là, pour faire une chose courte, là, en 18 mois, il m'a dit tout ce qui était pour m'arriver là. Et à chaque semaine, il y avait un message pour moi de la part de Dieu. Et ça m'a forcé à regarder les choses de Dieu différemment. Alors, donc, pour faire une histoire courte, là, en 18 mois au Kenya, j'ai quitté de la chambre d'hôtel où j'étais sans argent à un travail dans un hôpital où il s'est passé beaucoup de choses. Là-bas, j'ai bien travaillé et tout s'est bien passé. Mais le temps est court pour vous dire comment le cheminement dans ça a été spécifique, puisque j'étais comme accroché aux enseignements de cet homme de Dieu-là qui ne me connaissait pas. Je n'étais jamais allé dans son église. Il prêchait à la télévision et à la radio. Et à chacun de ses enseignements, ma femme est témoin, avait un message spécifique pour moi. Alors, une histoire courte, 18 mois après, je dois quitter le Kenya pour le Canada. Je reçois miraculeusement une bourse de la Banque mondiale. Et pour quitter l'hôpital où j'étais, on me donne un témoignage officiel, ok? Des recommandations, que je pars au Canada pour étudier, blablabla. Mais le Kenya n'était pas mon pays, moi j'étais originaire du Congo. Donc, à la fin des études, il fallait que je retourne chez moi. Dans le processus de vérification, l'ambassade du Canada communique avec l'hôpital où je travaillais. Et là, à mon insu, c'est pas ce qui s'est passé, on me prive le visa. Alors, drôle, on était retourné au même hôtel où on était venu, n'est-ce pas? J'ai démissionné du travail. Le peu d'argent qui est là, je passe de bonnes vacances. Je sais que je m'en vais au Canada. Tout à coup, il n'y a ni Canada, ni visa, ni travail, ni argent. Mais la parole de Dieu est fidèle. Cet homme de Dieu a continué à me parler sans me voir. Je savais que c'était vrai puisque il ne me connaissait pas. Il n'y a qu'une manière qu'il sache que c'était moi, parce que je ne lui ai jamais parlé. Ce qu'il m'a dit, c'est arrivé. On m'a donné finalement le visa et je suis arrivé. J'arrive au Canada, quelques mois après, encore des événements au pays. Je ne peux pas retourner, je suis boursier, j'étudie, mais je ne connais pas le plan. La situation est faite, il faut que je prolonge mon séjour. Mais comment je vais le prolonger? Ben, il fallait demander le statut de réfugié. Mais comment demander le statut de réfugié alors que je suis entré avec un visa, une bourse d'études, et qu'on m'avait déjà refusé le visa, puisqu'on peut vous dire que non, si j'entre au Canada, je dirais que je suis réfugié. Ah, c'était compliqué. L'homme de Dieu m'a dit, un homme de Dieu à Montréal m'a dit, crois en Dieu et regarde-lui. Tu vas voir. Donc, je suis allé demander le statut de réfugié. Et vous savez comment ça se passe à l'immigration. Hein? Donc, on te prend, on arrache le passeport. On annule le visa qui est dessus, c'est plus bon. On te donne un ordre de quitter le pays qu'on ne peut appliquer seulement qu'après le procès. Que si tu perds, directement, on t'embarque. Tu pars. Donc, c'était ça. Alors, dans mon avocat, dans le processus, il demande mon dossier au Kenya. Donc, sans savoir, l'hôpital où je travaillais, la lettre qu'ils ont fait une lettre inconnue, que moi je ne savais pas, qu'ils ont envoyée à l'hôpital du Canada, avait déjà en fait confirmé que j'étais un réfugié. Donc c'est eux qui ont demandé pour moi
la résidence permanente. Sans que je sache. Et voilà. Donc, ça, la parole de Dieu s'est confirmée dans ma vie. Troisième élément que je partage avec vous ce matin, c'est que avant que je n'arrive ici, on était mariés depuis 5 ans. On en a fait 2 autres ici. Donc, on était 7 ans mariés sans enfants. Et on a tout essayé médicalement. Ma femme était médicalement confirmée stérile au Congo, au Kenya et au Québec. Donc, on ne peut pas se tromper là. C'était clair et net. Mais un homme de Dieu m'a dit, dans la maison de Dieu, il n'y a pas de stérile. Nous nous sommes accrochés à ça. Et au milieu du néant, nous avons eu des enfants. J'en ai 4, pour ceux qui me voient. 2 garçons et 2 filles en 25 ans de mariage, pas mal. Alors, avec ça, il me reste combien de temps? C'est fini? J'ai fini. Mon message, c'est celui-ci. Mon témoignage est long, je ne peux pas vous dire. C'est sûr que dans la vie, il y a des détours que Dieu nous oblige à prendre, ça qu'on comprend. Des fois, on se retrouve dans de troubles. Un seul mot que j'ai à dire au Père, vous n'allez pas mourir dans ça. Que Dieu vous bénisse. Père Abraham avait beaucoup de fils. Beaucoup de fils avait Père Abraham. Merci, docteur Célestin. Amen. Qu'est-ce qu'il n'a pas dit? Il était chef d'hôpital aussi là-bas. Amen. Et moi, j'ai tout entendu son témoignage. Et je me souviens, j'avais pleuré quand j'ai entendu son témoignage. Comment Dieu l'a protégé partout, partout. Amen. Et on est content qu'ils sont plantés dans la maison de l'Éternel. Avec nous ici. Amen. On va demander à Jonathan Ving, hallelujah, de venir témoigner. On l'accueille ensemble. Amen. Bonjour tout le monde. Je remercie d'abord mes pasteurs de m'avoir donné l'occasion d'être ici présent, à vous témoigner un peu. D'abord, je veux dire bonne fête des pères à vous, pasteur Jean, pasteur Matt, pasteur Denis, et à des personnes extraordinaires de l'Église qui ont un impact dans ma vie comme des pères, surtout Méné Jean de la Durantée, Bruno Descoeurs. Et aussi bonne fête à tous les pères et à tous ceux qui ont appelé à être pères. Pour témoigner aujourd'hui, ça allait être très long, mais je vais essayer de faire ça très court. Parce que un père, c'est pas quelque chose de facile. C'est pas juste dire un père pour avoir le pouvoir. Mais le père, surtout, c'est la responsabilité qu'il faut voir. Si on essaie de comparer un père à un entraîneur d'une équipe, on voit toujours, quand tout va bien, on voit les joueurs. Mais quand ça va mal, tout le monde se tourne vers le père. C'est de même pour une église. On a une église extraordinaire, mais quand tout va mal avec les fidèles, on va dire, qu'est-ce que leur pasteur fait dans leur vie? Mais ici, on a une église extraordinaire. Et moi, le diable a agi dans ma vie comme il l'avait fait dans la vie d'Adam et Ève. J'étais déjà marié, j'ai 2 enfants. Mais malheureusement, ça n'a pas marché. Comme ça n'avait pas marché entre Adam et Ève, quand ils ont mangé la pomme, le diable a poussé Adam à critiquer la femme que Dieu lui avait donnée. Mais c'est quand même l'effet du diable. Mais homme béni que je suis, Dieu s'en est servi de moi pour être un Joseph en me donnant une femme extraordinaire qui est Marie-Eunide. Mets-toi debout, chérie. Une femme extraordinaire, bénie et en feu pour le Seigneur, qui était déjà plantée dans une église extraordinaire où il y a beaucoup de gens, où tout le monde est en feu pour le Seigneur. Et depuis lors, je suis ici et il y a tellement de bons exemples de pères qui est là. Moi, c'est pour ça que je suis là et je vous encourage tous, surtout les mamans qui n'ont pas eu de mari dans leur vie parce que ça n'a pas marché.
La vie n'est pas finie. Je ne vous encourage pas, vous qui avez un mari, de laisser partir, parce que ça, c'est ce que le diable veut. Quelles que soient les circonstances, on va faire face à des situations extrêmement difficiles. J'en ai vécu. Mais vous, les hommes, je vous exhorte de suivre toutes les bonnes paroles qu'on nous apprend ici et de les mettre en application et de vaincre le diable. Mais à vous, les femmes qui, malheureusement, se trouvent dans cette situation, je vous prie d'être la Marie que vous êtes. Quand j'ai dit la Marie, pas Marie, mais Marie, la mère de Jésus. Et quand cet homme-là va rentrer dans votre vie, faites de cet homme le Joseph le plus important de sa vie. Le Joseph qui va être là pour vos enfants, le Joseph qui va être un Joseph de foi. Quand Dieu est venu lui parler, il n'avait pas d'enfant, sachant qu'il n'était pas encore marié et que l'enfant n'était pas de lui. Il n'avait pas hésité, il a pris l'enfant comme sien parce que c'était son enfant, il était un père de foi. Merci beaucoup à vous tous et aussi bonne fête des pères à tout le monde. Encore pasteur Jean, merci. Amen. Ouh. C'est chaud. Amen. 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 On va entendre un autre témoignage. Hallelujah. On va écouter le témoignage de Ménis Jean de la Durantée. On l'accueille ensemble. Un autre père ici dans l'église. Merci, pasteur. Seigneur est bon. Bonne fête des pères. À tous les pères. Levez les mains. Oh, alléluia. Vous êtes bénis d'être dans la maison de l'Éternel ce matin. Merci Seigneur. Dans Romains 8, c'est dit dans le verset 14. Ça dit, dans le verset 15, ça dit, « Et vous n'avez pas reçu un esprit d'esclavage pour être encore dans la crainte, mais vous avez reçu un esprit d'adoption pour lequel nous crions « Abba, Père ». Je peux vous dire ce matin, c'est spécial d'être papa, parce qu'on a un Père céleste qui nous aime tellement. Puis je me souviendrai toujours, je tapais au Seigneur encore, puis j'ai perdu mon père, j'avais l'âge de 8 ans. Mon père, c'était tout pour moi. C'était mon coach au hockey. Il m'amenait des sorties. Il m'amenait voir des films. Je me rappelais toujours le premier film que j'étais voir avec mon père. C'était le film Ben-Hur. Il avait été au cinéparc. J'ai toujours été impressionné parce que si tu veux pleurer et tu veux connaître la liberté dans Christ, écoute ce film-là. Parce que c'est la rédemption de l'âme. Puis je pense que c'est ça que c'est à propos. Le Seigneur nous a rachetés d'un grand prix. Puis je remercie le Seigneur pour cela. Parce que sans lui, je ne sais pas où je me trouverais aujourd'hui. Puis tout ça pour dire que j'ai pleuré mon père pendant une journée. Puis après ça, j'étais sans père pour un bon bout de temps, jusqu'à temps que je connaisse Christ. Mais entre-temps, je m'ai marié, puis j'ai eu un enfant, un premier enfant. J'en ai trois. J'ai Mathieu, Olivier et Christine. Mais mon premier-né, il avait une cardiopathie. Ça veut dire qu'il avait un problème de cœur. Puis, à l'âge de 3 mois, on pensait le perdre. Les médecins ont dit, « Ah, il est en défaillance cardiaque. On ne peut pas vous garantir votre fils le lendemain matin. » Mais il dit, « Faut que tu l'amènes à l'autre hôpital où ce que les spécialistes du cœur se trouvent. » On embarque dans l'auto avec Mathieu, puis je pleurais comme un veau, ma femme. On était les deux un bébé d'eau, mais le Seigneur nous a dirigés à l'autre église qui était à 5 minutes. Puis là, le médecin nous dit, « Vous avez... » J'ai dit, je ne peux pas vous le garantir pour demain matin. Donc, en partant de l'hôpital, on ne savait pas si Mathieu pourrait être encore vivant le lendemain matin. Tout dépendait de comment il réagissait aux médicaments. Donc, j'étais chez nous ce soir-là, je m'ai couché sur le dos, puis on pleurait encore. Puis, ça faisait juste 3 mois qu'on avait Mathieu. Tu sais, il y en a qui perdent leur enflant dans leur ventre, une fausse couche. Mais nous autres, on l'avait eu pour 3 mois, puis j'ai dit, Seigneur, peu importe, je te le laisse. Mais si tu me laisses, je sais qu'il va être en santé. Je ne connaissais pas le Seigneur comme je connais aujourd'hui. Puis aujourd'hui, si vous voyez Mathieu, c'est un gars qui est assez robuste, puis il me dépasse un peu, puis il est en santé, puis je remercie le Seigneur qui nous l'a préservé. Puis aujourd'hui, il sert dans son église. Puis je remercie le Seigneur pour ça. En plus de ça, quand on est venu au Seigneur, c'était par la télévision. Puis c'est pour ça que je crois dans le ministère de télé.
Parce que toutes les fois qu'on voit la télé, même si ça fait 6 mois que l'émission est tournée, ça te parle encore au cœur parce que l'Esprit de Dieu est vivant. Ce n'est pas quelque chose de stagnant. Donc, je remercie le Seigneur. J'ai venu au Seigneur par la télévision, mais j'ai commencé à me planter dans une église locale. Puis, je ne connaissais rien de ça. Puis ensuite, on a su qu'il y avait une église francophone ici à Orléans. Puis, c'était l'église du pasteur Jean. Puis moi et ma famille, on avait 3 enfants à ce moment-là. On est arrivés dans l'église du pasteur Jean. Puis je me rappellerai toujours qu'est-ce qu'il disait. Il dit, « Père, vous êtes responsable pour vos enfants. Vous devriez prier pour eux. » Puis nous autres, à toutes les soirs que je couchais les enfants, je priais sur eux. Je priais sur Christine. Je dis, « Seigneur, merci pour le mari chrétien que tu lui vas donner. Un homme qui aime Dieu. » Aujourd'hui, Christine est mariée puis est pasteur de l'église, d'une église locale ici. Je prie pour Mathieu. Mathieu, merci pour la femme que tu vas lui donner, qui est croyante, Seigneur, qui aime Dieu. C'est une femme de Dieu. Mathieu a marié une femme chrétienne qui a rencontré un groupe de jeunesse. Merci, Seigneur. Je priais sur Olivier. Je dis, pour Olivier, Seigneur, je te remercie pour la femme que tu lui donnes, qui aime le Seigneur. Puis, Olivier a marié une femme que sa famille a été élevée dans l'église, l'ont élevée dans l'église, qui connaît le Seigneur. Donc, je remercie la fidélité de Dieu, malgré toutes ces choses-là. Puis là, je me dis, c'est la confession de notre bouche. Tu l'as dit ce matin encore. Ce qu'on dit, c'est qu'est-ce qui va arriver. Quand tu dis que Pasteur Matt, ça va être le meilleur pasteur, c'est que tu le confesses de là, même sans l'avoir vu. On le dit. Donc, je crois bien, comme père, je vous encourage, je vous exhorte ce matin. N'hésitez pas de dire, Dieu, je te fais confiance aujourd'hui. Je te fais confiance avec mes enfants. Je te fais confiance avec ça. Il y a un moment donné, je pensais que j'avais perdu mon fils. Mais j'ai dit, non, Seigneur. Il est pas venu au monde pour être pris dans les mains de l'ennemi. Mais toi, tu l'as dans tes mains. Puis on a pris. Puis là, mon fils, il me regarde, puis il me respecte. Mes fils et mes filles me respectent, puis je remercie. C'est pas à cause de moi, c'est à cause de l'Esprit de Dieu. Hein? L'Esprit de Dieu qui nous remplit de son amour ce matin. Persévérons. Lâchons pas jusqu'à la fin et nous serons sauvés, moi et ma famille. Je veux juste vous encourager ce matin. Je remercie le Seigneur pour ce qu'il fait, pasteur. Je te remercie ce matin, Seigneur. Je te remercie pour ce que tu as fait dans notre vie. Merci, pasteur. Merci, Jean. Amen. Amen, 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 amen. Gloire à Dieu. Hallelujah. Vous savez, il y a 2 choses qui sont le plus attaquées dans une église. Partout où vous allez aller, amen, numéro 1, c'est la foi. Sans la foi, tu ne peux pas plaire à Dieu. Et l'autre chose, c'est Dieu le Saint-Esprit. Parce qu'à travers de Dieu le Saint-Esprit, c'est lui qui vient. Qui vous pensez que guérit la sœur? Dieu le Saint-Esprit, Jésus qui est au milieu de nous. Amen. C'est pour ça, ces 2 choses-là, c'est pour ça ce matin, je veux célébrer Père Abraham, qui est notre Père de la foi. Père Abraham est notre Père de la foi. C'est pour ça quand j'entends dire aux gens, faites attention à la super foi. Hey, Seigneur, donne-moi une super foi, que je ressuscite toutes les morts que je rencontre. Amen. Ces mots-là détruisent la foi des gens. Est-ce que vous me suivez? Et les empêche d'aller plus loin. La super foi, c'était les gens qui prophétisaient les Cadillacs et ces choses-là. Mais faisons attention. Sans la foi, tu ne peux pas plaire à Dieu. Amen. Sans la foi. C'est pour ça, les 2 choses les plus attaquées dans l'Église, c'est la foi des gens. Amen. Et Dieu le Saint-Esprit. Est-ce qu'il y a déjà eu une lutte contre le baptême du Saint-Esprit? Il y a un docteur baptiste la semaine passée qui me disait, un médecin baptiste qui me disait, il me disait sans cachette, il dit, tu sais, j'écoute un tel prédicateur à la télévision, il dit, il enseigne sur le baptême du Saint-Esprit. Mais il dit, je le dis pas à ma femme parce que elle va être choquée contre moi. Mais il dit, tu sais, je commence vraiment à y croire. Amen, amen, amen. Et je crois les 2 choses que le diable veut pas que vous ayez, c'est la foi pour transporter les montagnes. Amen. Et Dieu, le Saint-Esprit, qui est avec vous, qui prend la place pour transporter la montagne.
Amen. J'espère que ça vous encourage ce matin. Fait que c'est pour ça ce matin, je ne serai pas long, mais je veux remercier mon Père du ciel. Amen. J'ai eu un Père terrestre que je n'ai pas vraiment connu, mais j'ai connu mon Père céleste. Et je remercie Dieu pour mon Père céleste. Je tiens à vous dire, il ne m'a jamais abandonné. Même quand je vivais dans le péché, est-ce que vous me suivez? Que plus personne ne voulait rien savoir de moi. Dieu m'a aimé. Dieu m'a aimé quand j'étais le plus pourri des hommes. Dieu m'a aimé et il est venu me chercher là où j'étais. Et c'est pour ça que je peux remercier Dieu ce matin. Amen, le remercier de tout mon cœur. C'est pour ça que je veux vous partager ce matin sur Père Abraham. Tournez avec moi dans Ésaïe 51, verset 2. Ce ne sera pas très long ce matin, parce qu'on a entendu plusieurs témoignages. Alléluia, qui est la parole confirmée, les témoignages. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et de la parole de leur témoignage. Ésaïe 51, 2 nous dit, « Portez les regards sur Abraham, votre père, et sur Sarah, ça c'est ma femme, qui vous a enfanté. » Car lui seul, je l'ai appelé, je l'ai béni et multiplié. Seigneur, mène garde à ma bouche ce matin, que ma langue soit celle d'un habile écrivain. Je lis toute puissance de l'ennemi et j'amène toute pensée captive en Jésus-Christ. Amen. Je vais être Abraham, puis ma femme, c'est Sarah ce matin. Sarah, quel âge as-tu? 90, 100? Oui? Amen. Vous devez comprendre, Père Abraham, c'est notre exemple dans le fond. Amen. C'est un exemple de la foi que Dieu nous a donné. On a besoin des pères qui vont s'élever dans la foi. Est-ce que vous me suivez? Des pères qui vont se tenir debout, qui vont croire peu importe la maladie qui est là, qui vont croire peu importe les situations qu'ils rencontrent et qui vont croire, qui vont dire, moi je crois dans le Dieu Tout-Puissant. Amen. Comme qui a guéri le bras de notre sœur, qui a commencé à guérir le derrière de sa tête aussi, Dieu va continuer à travailler dans votre vie. Découragez-vous pas. On a besoin des hommes de la foi comme ça. Et Romains 4, versets 17 et 18, il parle d'Abraham ici. Il dit, « Je t'ai établi père d'un grand nombre de nations. Il est notre père devant celui auquel il a cru Dieu. » qui donne la vie aux morts et qui appelle les choses qui ne sont point comme si elles étaient. Verset 18, espérant contre toute espérance, il crut et devint ainsi le père d'un grand nombre de nations, selon ce qui lui avait été dit. Telle sera ta postérité. Verset 20, il ne douta point, dis à ton voisin, il ne douta point, par incrédulité, au sujet de la promesse de Dieu, mais il fut fortifié par la foi, donnant gloire à Dieu. Plus je marche, écoutez-moi les hommes, les pères, plus je marche par la foi, plus je suis fortifié. Amen. Plus je peux voir que Dieu existe. Plus je peux voir, quand je vois les fibromyalgies, les dyslexiques, les aveugles voir, plus je vois que c'est pas moi, mais c'est Dieu qui le fait à travers moi. Et plus ça me fortifie dans la foi, quand j'entends des témoignages comme celui de Dr. Célestin, il a pas tout compté, mais il y a des endroits où on l'attendait pour le tuer. Est-ce que vous me suivez? Mais Dieu a aveuglé les yeux de ces gens-là et il a pu passer. C'est comme Gigi puis Jojo. Je suis toujours mélangé. Gigi, lève ta main. OK, c'est Jojo je veux parler. Amen. Jojo nous racontait son témoignage. Comment qu'elle était cachée dans un placard. Et les bandits voulaient la tuer. Mais ils l'ont pas tuée. Jojo est vivante aujourd'hui. Et elle peut témoigner de la foi en Jésus-Christ. Hallelujah.
Je ne sais pas pourquoi, mais Gigi, Jojo, là, on essaie de leur tenir. Jojo, c'est la femme, puis Gigi, c'est le papa. Georgette. Louise, c'est bon. Il ne douta point par incrédulité au sujet de la promesse de Dieu, mais il fut fortifié par la foi, donnant gloire à Dieu. Qu'est-ce que vous pensez? Aujourd'hui, Jojo, vrai ou faux, tu ne peux pas autrement que donner la gloire à Dieu. De donner la gloire à Dieu quand Dieu t'a protégé. Il y a beaucoup de gens qui ne le savent pas. Elle a passé à un pouce de la mort, à un millimètre de la mort. Docteur Célestin, la même chose. Et quand tu vois la main de Dieu qui te protège comme ça, il y en a d'autres, on pourrait écouter plein de témoignages ici, je suis sûr, de plein de gens, comment Dieu les a protégés. Ici, je vois, portez les regards sur Abraham, regardez les hommes de foi. C'est important, c'est pour ça Paul, qui est un homme de foi, il dit, « Hey, ce que vous voyez en moi, ce que vous avez vu, ce que vous avez entendu de moi, pratiquez-le. Pratiquez-le. » Paul, c'était un homme de foi aussi. Amen. Puis c'est Dieu qui vous a appelé. Les hommes, c'est Dieu qui vous a appelé. Vous n'êtes pas ici par accident ce matin. Je sais qu'il manque du monde ce matin, parce que c'est la fête des pères, beaucoup sont partis dans leur famille. Mais tout ce que je peux vous dire, c'est Dieu qui vous a appelé. Et celui que Dieu appelle est béni. Amen. Ésaïe 43, 1, ça c'est un petit chant que je faisais quand j'étais jeune chrétien. Ne crains pas, je suis avec toi. Ne crains pas, je t'ai racheté par ton nom, je t'ai appelé. Ne crains pas, tu es à moi. Et je me souviendrai toujours, c'est Ésaïe 43, je me souviendrai toujours de cette expérience que j'ai vécue avec mon Dieu. Amen, j'ai déjà raconté cette expérience quand Dieu m'a touché ici sur le côté. Quand il n'y avait pas personne de notre côté. Jamais j'oublierai, je l'ai raconté 1000, 2000, 3000 fois cette expérience-là. Mais jamais j'oublierai cette expérience d'amour quand Dieu m'a visité. Chaque partie de mon être était enveloppée de son amour. Chaque partie de mon être était enveloppée. Et Dieu m'a dit, Jean, je t'aime mon enfant. Je serai toujours avec toi. Je ne t'abandonnerai pas. Et Dieu vous dit ce matin, c'est lui qui vous a appelé. Il t'abandonnera pas. Amen. Il t'abandonnera pas. Il t'aime. T'es son chouchou. Dans ton vengeance, t'es son chouchou. Éphésiens 1, 4 et 5 nous dit, en lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde. Pour que nous soyons saints et irréprochables. Alléluia! Dieu nous a élus, il m'a choisi afin que je sois saint et irréprochable. C'est de la façon que Dieu nous aime. Amen, amen, amen. Avant, je marchais dans le péché, mais à cette heure, je marche dans la sainteté. Devant lui, il nous a prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ, selon le bon plaisir de sa volonté. Mais je remercie le Seigneur que je suis adopté dans la famille de Dieu. Amen, amen, que je suis son enfant. Alors, docteur Célestin, il me semble que ce ne serait pas la même chose si tu n'étais pas ici avec ton épouse. Amen, amen. Il y a des gens... Vous êtes spécial. Steve, t'es spécial. Je suis content que t'es ici. Man, you're a good bass player. Puis t'es un bon drummer aussi. Il est plein de talent. Attachez-le après sa chaise, s'il vous plaît. Chacun de vous, les hommes, vous êtes dénis.
Man! Mon facteur. Ça, c'est le facteur du Seigneur. Il travaille pour les Postes Canada, mais je vous dis qu'il livre le message de l'Évangile partout où il va. C'est pour ça qu'il s'est fait mob par un chien la semaine passée, mais il n'a pas démissionné. Aucun pitbull ne va l'arrêter. Parce que c'est un homme de foi. Est-ce que vous me suivez? Aucun pitbull ne va arrêter Denis Drouin de témoigner de Jésus. Ça, je vous garantis. Amen. Même dans son cercueil, un jour, ses dentiers vont parler. Clac, 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 clac. Il n'y a pas de dentier encore. OK, amen. J'espère que je ne suis pas prêt à prophétiser. Jean 15, 16 nous dit, « Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi, je vous ai choisi, les hommes. Vous êtes choisis de Dieu. Je vous ai établi afin que vous alliez, que vous portiez du fruit et que votre fruit demeure. Afin que ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donne. » Alléluia. Je demandais toujours, les pères, découragez-vous pas. Des fois, on ne sent pas les meilleurs pères. Vrai ou faux? Mais moi, je tiens à vous dire, en tout cas, les jeunes, j'étais tellement fier de vous. Les joueurs de basketball, là, je vois qu'il en manque plusieurs ce matin. J'espère que vous n'avez pas été découragé pour une petite défaite de rien comme ça. Amen, 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 amen. On est des champions en Jésus. Hallelujah. J'étais fier de voir mon fils, il se noura le panier, puis vu qu'il est grand, il faisait juste la mettre dedans. C'est là que j'ai compris le basketball davantage. Amen. Mais j'avais le goût, j'aurais aimé ça aller faire. Quelques shots. Je regrettais de ne pas être avec mes shorts. Juste faire un petit show. Le faire par en arrière et le rentrer. Après ça, aller jouer sur le banc. Dieu nous a bénis. Dieu nous a bénis comme enfants d'Abraham, comme fils d'Abraham. Galates 3, 29. Et si vous êtes à Christ, vous êtes donc la descendance d'Abraham. Héritier selon la promesse, Stephen, arrive au piano. C'est le chant favori de ma femme, Père Abraham. Elle me dit, si tu peux le faire ce matin, elle dit, je serais tellement heureux. Hey, look. Père Abraham avait beaucoup de fils avait Père Abraham. Et moi, je suis le deux, et toi aussi. Louons notre Seigneur, je l'ai fait. Alléluia, amen. C'est moi le patron. Alléluia. Écoutez ce verset, c'est tellement beau. Galates 3, 9. Dieu, tous les enfants d'Abraham... Vous êtes bénis. Galates 3, 9. Mais ceux qui croient sont bénis avec Abraham, le croyant. Voyez-vous pourquoi le diable attaque la foi? Voyez-vous pourquoi le diable ne veut pas que vous croyiez que Jésus est ici, qu'il est vivant? Mais ceux qui croient sont bénis avec Abraham, le croyant. Ça veut dire que ceux qui ne croient pas ne sont pas bénis. Je déclare que vous êtes les hommes, vous êtes des hommes de foi. Vous êtes des hommes de super foi qui croient dans les promesses de Dieu. Peu importe qu'est-ce qui se passera dans le monde entier, il va y avoir de plus en plus des tempêtes, des tornades et toutes ces choses. Mais aucune tornade ne va vous déranger de l'amour de Dieu. Aucune tempête. Alléluia, Gigi, Jojo. Amen, amen. Va vous débrancher. Va vous déplanter de la maison de Dieu. Alléluia. Ce que j'ai fait avec mes fils.
Tu sais, même quand mes fils ne marchaient pas avec Dieu, j'ai resté planté. Alléluia, j'ai resté planté. Et j'ai confessé la parole de Dieu. Merci, moi et ma famille, nous servirons l'Éternel. Et c'est pour ça, mes fils servent Dieu aujourd'hui. François, d'une façon différente, il n'est pas pasteur, mais François marche avec le Seigneur, sa femme. Alléluia. Pour ses enfants, c'est la multiplication. Oh, Yannick, Dieu a plein de bénédictions pour toi. Amen, amen. Attention, il y a deux célibataires ici en avant. Oh, je vois, c'est les filles qui tapent ce côté ici. Faites semblant de rien, David. Dieu veut la multiplication. Pour ceux qui croient, c'est la multiplication. Genèse 22, 17. Vous savez, je recevais un téléphone ce matin de Paris. Pas de Paris, je m'excuse. De la France, je pense qu'il était à Toulouse. Et le pasteur Dr. Jean Berthaud me disait, « Amen, pasteur Jean, depuis qu'il est venu à l'église, ça va bien. Ça va bien. » Il dit, « Salut tous les frères. » Les sœurs, salut pasteur Mathieu, Vanessa, ma femme, embrasse Kylian. Kelly, où es-tu? Docteur Jean Berthaud t'a envoyé un gros bijou. Direct de la France. Il me disait, pasteur Jean, la semaine prochaine, on a 20 baptêmes à l'église. Hallelujah. C'est la multiplication. Venez à Jésus, je vous dis, c'est le seul chemin. Les jeunes, si vous voulez être bénis, là, il n'y a pas d'autre chemin. Est-ce que vous me suivez? Hier soir, je rencontrais quelqu'un, on marchait, mon épouse et moi. Et j'ai rencontré quelqu'un, man, il avait de l'air déprimé. Ma femme, voyez-vous, je veux juste vous donner nos cœurs aux deux. Ma femme, elle dit, va lui donner 10 piastres. J'ai dit, moi, lui donner 5 piastres. Elle dit, donne-y 10 piastres. Je voulais lui donner 5. Mais même, il a refusé 5 et 10 dollars. Puis il avait l'air tellement déprimé et triste. J'ai dit, tu parles-tu français? Il disait, non. Tu parles-tu anglais? Non. Mais je ne savais pas qu'est-ce qu'il parlait, mais j'ai parlé en anglais. Puis j'ai dit que Jésus l'aimait. Que Jésus avait un plan pour lui. Amen. Dieu veut qu'on se multiplie. On a reçu l'amour de Dieu en nous. On a reçu Jésus-Christ en nous. On doit le partager. Ils l'ont vaincu, le diable, à cause du sang de l'agneau et de la parole de leur témoignage. Genèse 22, 17. Je te bénirai et je multiplierai ta postérité. Je fais partie de la postérité d'Abraham. Comme les étoiles du ciel et comme le sable qui est sur le bord de la mer. Et ta postérité possédera la porte de tes ennemis. Hébreux 11, 12 nous dit, c'est pourquoi d'un seul homme, déjà usé de corps, naquit une postérité nombreuse, comme les étoiles du ciel, comme le sable qui est sur le bord de la mer, et qu'on ne peut compter. Amen. C'est pour ça que Dieu, quand il a créé l'homme et la femme, je termine avec ça. Quand il a créé l'homme et la femme, dans la PDV, ça nous dit, Genèse 1, 28, puis il les bénit en disant, ayez des enfants, devenez nombreux, remplissez la terre et dominez-la. Amen. Alléluia. Pasteur Denis comprend ces versets-là. Amen, 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 amen. Docteur Célestin, est-ce que tu es bien parti pour une femme qui ne pouvait pas avoir d'enfant, Rachel? Es-tu prête à en avoir d'autres? Non, elle dit non, non. Quand Dieu bénit, vous donne au-delà de toute espérance. Je pensais que tu en voulais 12. Non, hein? Docteur Célestin, tu es prêt, toi, pour d'autres? Hein? Oh, ils vont adopter, voyez-vous.
Amen. La multiplication. Je termine avec ce verset-là qui se trouve dans Éphésiens 1, verset 3. Je veux qu'on le lise tout ensemble. Amen. Ça, c'est dans la PDV. Est-ce qu'on peut mettre Éphésiens 1, 3? Hello en arrière. Ils sont fatigués après le deuxième service. Ils sont fatigués après le deux. Ah, le système a crashé, mais moi, je n'ai pas crashé. C'est le système qui a crashé, qu'on nous disait. Ça, c'est ontarien. C'est notre système qui a fait une chute. Une chute très haute, semblable à ce que tu avais fait, Julie, de 30 pieds d'eau. Mais notre système, on ne se décourage pas. Peu importe ce qui se passe dans la vie. Éphésiens 1, 3 dans la PDV nous dit, « Louange à Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. En effet, il nous a bénis dans le Christ en nous communiquant les dons de son Esprit qui viennent du ciel. » Louange à notre Papa du ciel. Louange, c'est la fête de mon Père aujourd'hui, de mon Père céleste. Puis écoutez-moi, est-ce qu'il y en a qui sont ici? Je vous dis, le plus beau cadeau que vous ne pouvez pas vous faire, c'est de donner toute votre vie à Jésus. C'est de donner votre cœur à Jésus. Amen, amen. Est-ce qu'il y en a qui sont ici ce matin, qui n'ont jamais donné leur cœur à Jésus? Qui n'ont jamais donné toute leur vie à Jésus-Christ? Même par Internet ce matin, si vous êtes là, vous n'avez jamais donné votre vie à Jésus. Jésus veut prendre toute votre cœur. Jésus veut prendre toute votre vie. Amen. Alléluia. Vous pouvez le faire là où vous êtes. Jésus est vivant. Amen. Venez, je veux prier pour vous. On les accueille ensemble. Oui, les deux. Venez, venez. Viens, Louise, avec eux. Viens avec eux, Louise. Amène-les. Amen. Come on, on applaudit. Alléluia. Louange à toi. Louange à toi. Louange et gloire à toi, Seigneur. Louange à toi. Louange à toi. Louange et gloire à toi, Seigneur. Amen. Ce matin, Jésus est ici. Jésus te connaît. Jésus te connaît aussi. Puis il connaît les souffrances aussi que tu as eues. Puis il connaît les tiennes aussi. Puis Jésus a tout pris sur lui à la croix de Golgotha. Toutes tes souffrances, toutes tes blessures, puis toutes tes blessures aussi, Jésus les a pris sur lui. Comme qu'il a pris, amen, les maladies de ta mère, il les a pris sur lui à la croix de Golgotha. Ce matin, il a pris tous vos péchés de votre vie. Puis c'est à lui que vous allez faire cette prière. Moi, je suis juste un homme. Jésus est ici. Jésus dit, quand vous êtes deux ou trois rassemblés en mon nom, il dit, je suis présent au milieu de vous. Faites juste fermer les yeux. Faites juste dire cette simple prière après moi. Puis je vous invite de prier avec eux. Dites, Seigneur Jésus, je viens à toi. Je te demande pardon pour tous mes péchés. Je t'accueille ce matin comme le Seigneur de ma vie et le Sauveur de ma vie. Merci Jésus de prendre toute la place dans mon cœur. Amen. Amen. Félicitations. Félicitations. Alléluia. On a quelque chose pour vous. Si tu veux aller juste, on a quelque chose pour moi. Un Nouveau Testament, quelque chose. Alléluia. Tous les papas, levez-vous debout. Tous les papas dans la place. Pas les mamans, pas tout de suite. Tous les papas spirituels aussi, ceux qui ont déjà amené quelqu'un au Seigneur, vous pouvez vous lever debout.
tous ceux qui ont déjà amené quelqu'un à accepter Jésus. OK, vous voyez tous ces papas-là. Je veux que tout le monde se lève et on va leur imposer les mains. On va demander la bénédiction de Dieu sur eux. Êtes-vous d'accord? Amen. Allez, allez, je veux pas que personne, je veux pas aucun homme soit seul. Allez, on va leur imposer les mains. Amen, amen, amen. Allez, vers tous les papas. Allez, allez, allez. Allez, 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 gênez-vous pas. Mon cher papa, c'est à ton tour de te laisser parler d'amour. Mon cher papa, c'est à ton tour. Marie, je vais prier pour quelqu'un. Laissez parler d'amour. Demandez la bénédiction. Que la bénédiction de Dieu soit sur. Amen. Tous les papas ici, Seigneur, je déclare ta bénédiction sur eux. Ta multiplication sur eux. Je déclare que c'est des hommes et des femmes de foi. Au nom de Jésus de Nazareth. Amen, Seigneur. Que ce sont des hommes de la parole de Dieu. Que ce sont des hommes qui croient dans les promesses de Dieu. Je déclare que la bénédiction tombe sur tes enfants ici. Au nom de Jésus. Amen. Si vous voulez ensemble, on va chanter le Père du ciel. Mon cher papa, c'est à ton tour de te laisser parler d'amour. Mon cher papa, c'est à ton tour de te laisser parler d'amour. Mon cher papa, c'est à ton tour de te laisser parler d'amour. Écoutez-moi tous. Je veux que vous saluez tous les papas. Écoutez-moi. Vous savez, des fois, on n'est pas toujours le bon papa qu'on aimerait être. Amen. Souvent, j'ai manqué avec Mathieu. Souvent, j'ai manqué avec mon fils François. Mais êtes-vous d'accord, les pères ont fait de notre mieux. Amen. Dites à un homme, je suis content que tu aies un papa. Amen. Et tous ceux et celles qui ont besoin de prière ce matin, on voit les miracles ici en avant. Si vous êtes malade dans votre corps, avancez-vous ici. Et l'équipe, on va prier pour vous. Mon cher papa, les autres, allez dans la paix, dans la joie du Seigneur. Que le Seigneur vous bénisse à la maison. Soyez guéris au nom de Jésus. Mon cher papa, c'est à ton tour de te laisser parler d'amour. C'est à ton tour de te laisser parler d'amour. Ceux qui ont besoin de guérison, avancez-vous en avant, on va prier pour vous. Ceux et celles qui sont malades dans leur corps, l'équipe, j'invite toute l'équipe du Centre Réveil de s'avancer ici.